Alors, bienvenue au ce deuxième set opposant les championnes de la Montérégie, l'Impact de l'École du Rachet, face aux championnes de Lanaudière, Laurentides, les Libellules de Joliette de l'École Thérèse Martin. Premier set qui était remporté haut la main, 25 à 10. Vraiment, c'est une surprise. Même si Joliette a gagné tous les affrontements entre les deux équipes, jamais que l'écart a été aussi élevé. Alors, ceci dit, voici les six joueuses qui commenceront la partie du côté de Joliette. On a donc Gabrielle Ricard, on a Samélia Maillé, Marie-Florence Marchand, Juliette Brault, Cam Kaila, ainsi que Camille Hull. Excusez-moi. Match un peu moins de stress. C'est évident que l'équipe de, du Rocher ne peut pas faire pire dans ce deuxième set. Porte à croire qu'ils vont tenter de sortir en Lyon pour débuter ce deuxième set. Ce qui est important est un match de classement. Donc, peu importe l'équipe donne ou perd, les deux équipes joueront demain et auront une chance de jouer pour la médaille d'or. Il s'agit tout simplement de savoir laquelle des deux équipes sera classée numéro 1 ou 2 et vice versa, et ainsi jouer leur premier match de quart de finale contre une équipe 2 ou 3. Alors, l'Impact, la joueuse numéro 2 de l'Impact commencera donc au service. Kaila Moreau et Juliette Brault, les penseuses pour Juliette. L'attaque de Samélia Maillé place l'Impact au jour d'enfant. Et contre-attaque de la joueuse numéro 1. L'attaque qui passe entre le bloc de Juliette. 1-0. Au service. Pour l'Impact. Yeah! Julien Brault en réception. Réception de Julien Brault. Attaque en touche. Qui a tenté de renverser la vapeur en voyant son meilleur 6 partant au deuxième set. Et le retour de service qui a envoyé hors ligne. C'est donc 2 à 2. Joliette, le service de Marie est dans le filet et c'est maintenant 3-2. Le service se revient à l'Impact. C'est le jeu de Moreau, Kaila au centre, on envoie à Gabriel. Service envoyé à l'extérieur, 3 à 4, Joliette reprend service.
ça. Donc, il y a Moreau au service. Balle profonde, bien récupérée. Attaque de la position 4. Réalisation de la joueuse numéro 12. Et le ballon est envoyé hors ligne. C'est donc 5-4-3. L'impact qui mène toujours. Service joueuse numéro 11, côté de Saint-Lambert. Réception, passe à Gabriel. L'attaque cette fois-ci est en jeu et marque pour le quatrième point des Libellules. Gabriel Ricard au service. Belle attaque, la joueuse de centre numéro 13. Récupération, par contre, qui est tout aussi belle. Attaque à manchette qui pose des problèmes. On a manqué de vitesse côté des Libellules et le ballon se marque. Marre. 6 à 4. C'est donc au tour de la joueuse numéro 3 du Rocher à servir. Kayla attaque en manchette, fond de terrain. On voit la passeuse, l'attaque du centre. On hésite un peu légèrement. Passe arrière, s'améliore, zip. Bien récupéré. Attaque. Numéro 13 qui marque, passe entre les deux blocs. Malheureusement, la séquence est arrêtée. Service est dans le filet, 7 à 5. Samélia au service. Passe à Camille Hull, croisé, belle réception. Et l'attaque qui malheureusement échoue dans le filet, 6 à 7. Samélia Maillé revient avec le service. Balle profonde, bien récupérée. Passe au centre, l'attaque. Avec une grosse attaque qui redonne les devants et redonne le service à Durocher. En arrière, Gabriel, heureusement qu'il rate son attaque. 9 à 7. Après le 10e point. Maintenant, 10 à 6. 10 à 6 pour la magnifique équipe de Durocher. Est-ce qu'on a percé l'armure? Peut-être. L'histoire à suivre. L'histoire à suivre. OK, on peut arrêter ça. Là. On peut faire ma vidéo. Là. C'est trop, ouais, regarde. Hey, let's go, les livres. OK? Moi, tu gagnes? On a fait ça. Oui, mais oui, mais. Ça donne un petit coup.
l'accident est si vite arrivé. Le numéro 15 de l'Impact, c'est maintenant 10 à 6. Gabriel Ricard à Juliette Beau, Camille Houle, le ballon qui passe de justesse. On va voir en 4 le titre qui est cette fois bien récupéré. Et on remet tout de suite à Camille Houle, qui elle-même. Un bel échange. Merci par contre. Le ballon qui n'est pas traversé. Oh. 10 à 7. Juliette Bro au service. Tout un échange pour ce 7e point de Juliette pour renverser la balle. Service flotteur qui crée de la difficulté à la joueuse numéro 11. Et on marque donc un 8e point. Passe arrière. L'attaque est belle. On n'est pas capable de le faire sur les caméoules. Et l'Impact qui reprend le ballon. Et c'est maintenant 11 à 9. Le ballon. 12 à 9. Au service récupéré par Samelia. Passe à Camillon. L'attaque qui touche le bloc et ne laisse aucune chance à la joueuse numéro 3 de récupérer. Et c'est le 10 à 13. 10 à 12, pardon. Camillon au service. Malheureusement, qui sort de quelques pouces. Il donne le 11e point au Libellule. Ça reste encore une fois en 5. Et amorti du côté de la 11 qui est malheureusement amorti aussi par le bloc. Et le ballon ne fait que tout simplement tomber du côté de Libellule. Pour le 13e point de Durocher, c'est maintenant 13 à 11. Au service récupéré directement à Kaila, la porte de Marie-Florence. Et l'attaque en croisé qui donne la difficulté. Balle facile. Amelia. On a tenté de faire une balle en ligne droite et malheureusement le jeu n'a pas fonctionné. Et Juliette reprend le service, mais c'est 12 à 13. 13 à 12. Au service de Marie-Florence, c'est le point marque, c'est maintenant 13 à 13. Au service, la joueuse numéro 16.
touche. Elle a fait des dommages à son premier passage. De Gabriel. Encore une fois, la numéro 1 de l'Impact, le service. Récupéré par Marie-Florence, passe à Samélia. L'attaque qui fait mouche à l'extérieur. Et la PAC qui prend une belle avance, c'est maintenant 17 à 13. On passe à Samedia. L'amorti en plein centre qui marque. 7 à 14. Un match. Le service. Bien placé de la part de Marianne en croisé sur le bord du filet. Libellule qui marque un 15e point, c'est maintenant 15 à 17. Kayla au service pour l'impact, pour les Libellules. Service flotteur court. Pose des problèmes à l'équipe et un 16e point vient de la marquer. C'est maintenant 16 à 17. Bien récupéré cette fois-ci. L'attaque qui se transforme en amorti et les joueurs vont sembler figés sur le retour. Et c'est maintenant 18 à 16. La numéro 11 au service pour du Rocher. Le service semble à l'extérieur, mais il... Manchette arrière. On ramène à la haute 13 au centre. Le bloc est inexistant cette fois-ci. Malheureusement, pour les Libellules. Heureusement pour l'Impact. Il mène maintenant à 19 à 16. Encore une fois, la numéro 13 au centre qui fait de gros points. Passe à Samélia. Terrain qui est lancé à l'extérieur. C'est maintenant 20 à 16. Les difficultés dans la réception par le numéro 16 de Libellule. C'est maintenant 21 à 16.
1721, Mariano Service. Belle attaque de la numéro 13 encore. Et elle aura une autre chance. Cette fois-ci, ça marche. Encore une fois, Mme Barre au bloc contre la numéro 13, qui est avantagée par son physique. À 17, temps d'arrêt demandé par les libellules. David! 22-17! La magnifique équipe de l'Impact du Rocher, Caroline! Hey, t'en sers vos jambes, toi, dans les libellules. Dernière fois, j'ai fait comme ça, les jambes sont restées là. C'est vrai, les jambes sont restées prises. Non, mais parce que ça force d'être assis, tes jambes enfin. Hein? Les jambes enfin. J'appelle ça des fesses, donc t'appelles les pompiers. Les filles, je vais les pas scier mes jambes si bon. Mais là, ça dépend qui vient. Ça dépend si t'as un ou les pompiers. Prennent la balance, c'est maintenant 18 à 22. Belle passe Marie-Florence, l'attaque. Malheureusement, qui est à l'extérieur. 23. Bloc. Marie-Florence à l'attaque. Yes. Récupération. Yes. 24 à 18. 24 à 18 et un changement de position. Rosalys pour Camille Hull. Numéro 15 au service pour point de match. Qui termine le match. Une mauvaise exploration défensive et l'Impact qui réussit à gagner le deuxième set. 25 à 21. Je ne penserais pas, ça va pas de l'air. Ah non? Oh!